Notre ONG, organisation non gouvernementale, ASI, c'est Action de solidarité islamique. Cette ONG a été créée en 1985 par le docteur Cirelli. Réunit beaucoup d'intellectuels, non seulement des intellectuels, mais en plus des intellectuels, des non-intellectuels, j'allais dire, des secrétaires, des commerçants, des industriels, etc. Toutes les catégories de personnes intéressées à l'épanouissement de l'islam. L'ONG a un programme d'action sociale, action de solidarité islamique, un programme d'action sociale dans le domaine de l'éducation, dans le domaine des actions sociales, dans le domaine de la santé particulièrement. C'est ainsi que nous avons équipé beaucoup de facultés de médecine en livres de médecine de haute qualité. Nous avons organisé plusieurs caravanes médicales à travers le pays pour aider les gens qui n'ont pas les moyens de se soigner régulièrement. Nous avons organisé beaucoup de symposiums, colloques de niveau très élevé. Le symposium de 2000 était de niveau mondial. Nous organisons toujours ce genre de conférences pendant ou avant le Ramadan pour analyser les aspects religieux et médicaux, d'autant plus que nous avons beaucoup de médecins, et donner les conseils adéquats avant que ne commence le Ramadan. Également, avant le pèlerinage, nous organisons la même chose, surtout au niveau médical et au niveau religieux, pour former les pèlerins, les préparer dans ces deux domaines-là. Ce que nous avons fait, ce que nous faisons depuis 1987. Mais l'objectif, c'est d'informer les gens avant l'arrivée du Ramadan sur les tenants et les aboutissants, les injonctions divines, la pratique à apporter, les restrictions. Et comme nous avons beaucoup de profs de médecine, donner des conseils aux malades de premier, deuxième, troisième degré pour savoir quelle attitude à tenir durant le Ramadan compte tenu de leur maladie et compte tenu de l'obligation qui est faite de gêner par le texte. Alors donc c'est quelque chose que nous faisons chaque année, encadrer les gens, les aider, parce que tout le monde n'a pas le même niveau d'information ni d'instruction pour mieux les préparer à mieux aborder le Ramadan.